Bon matin! Il fait quand même beau. Bienvenue dans le Vlogmas jour 19. Donc là, comme vous avez vu, j'ai passé à Lidl chercher mon sandwich déjeuner que j'aime tant, puis un latte. Fait que je m'en vais travailler. Je vous reprends plus tard. Bon, on est rendu sur l'heure du midi. J'ai le goût d'aller me chercher de quoi manger. Fait que soit chez Madelon, j'ai entendu que vous avez des pokés. Ben, c'est que tu peux appeler, puis ça dit le menu du jour. Puis il y avait un affaire aussi aux crevettes tempura, mais j'ai pas compris c'était quoi. Je pense que je vais aller là. Sinon, mon autre option, c'était pas loin d'ici, le IGA. Parce que j'avais vu hier... faisait une dégustation de sushis, fait que je me disais peut-être qu'il leur restait des sushis. Mais on dirait que, tu sais, je suis pas certaine. Fait que tant qu'à perdre mon temps à aller là, je vais aller direct chez Madelon, je pense. Puis je pourrais prendre un café aussi pour emporter après, avec ça, genre. Mais pas le chai, comme l'autre fois qui était pas buvable. pas l'autre team, c'est juste en face. Au service au volant, on leur demandait s'ils ont le breuvage de Noël là, autre que Baileys. Parce que sur l'application, il l'a, mais sur la petite machine à l'intérieur, là, sur l'écran, il l'a pas. Mais comme je vous avais dit dans un vlogmas, je ne sais plus lequel, là, mais il n'y avait pas non plus mon bol salade. Puis finalement, il l'avait vraiment. Là. C'est juste qu'il ne l'avait pas sur la machine, sur l'écran. Parce qu'il n'y a plus de personne pour prendre ta commande. Là. C'est soit service au volant, soit à l'intérieur sur un petit écran, là, comme genre au McDo. Fait que c'est ça. On est vendredi en passant, donc dernière journée de la semaine. Puis en fin de semaine, on a une couple d'affaires de prévues, faire des recettes, peut-être aller dans des petits commerces. Il y a le Alcyon sel de menthe qui va être ouvert demain. Puis ils ont comme un nouveau sel fin, là, fait que, puis d'autres saveurs aussi, fait que je voulais peut-être aller m'acheter le coffret. Puis peut-être aller aussi à Grande Bouffe, là, comme je vous avais expliqué. L'autre fois, apparemment, ils ont vraiment des bons fish and chips que j'ai entendu dire. Moi, j'avais un rendez-vous pour mes cils ce soir, mais il a été reporté à dimanche. Fait que là, ce sont pas full beaux. Là. Puis justement, quand mes collègues demandaient c'était quoi, j'étais comme, là, ils sont dus pour être faits, là. Mais ouais, fait que dimanche, ça va être ça. Puis je vais devoir préparer ma valise parce que lundi, mardi et mercredi, j'ai un petit déplacement pour le travail, fait que je serai aux îles. Puis c'est ça, fait qu'il faut que je fasse ma valise dimanche maximum. C'est ça pour ça. Puis c'est ça, faut que je fasse aussi tout le montage des vlogmas pour qu'ils se mettent en ligne là, pendant que je suis pas là, les journées que je suis pas là. Fait que c'est pour ça que je disais dans le vlogmas d'hier que j'allais rattraper un peu mon retard. Là. Après ça, je pense que je vais juste avoir une journée d'avance pour les derniers jours. Mais en même temps, ça s'en vient full rapidement parce que de toute façon, j'arrête comme pas mal le 24. Des fois, je filme un peu le 25. Puis on est déjà rendu le 20 la semaine prochaine. Là, on est quoi? On est le 16, 15? On est le 15. Fait que c'est ça. J'ai faim, j'allais manger. Je suis toujours vraiment grateful des petits parkings ici pour petits autos. Parce que les autres sont souvent pris. Quand je sors du Madelon, c'était vraiment in and out. J'ai pris finalement un poké saumon fumé. J'ai hésité avec macro fumé, les deux sont bons. Puis il y avait crevettes aussi, puis il y avait poulet. Fait que saumon fumé, il y a des edamame, du chou rouge, des concombres, des carottes, du riz. Puis ça, c'est du... la mangue? Je trouve que c'est de la mangue. Puis j'ai pris un petit cup de sauce à côté. Je pense qu'il y en a déjà dedans, mais je m'étais tout le temps habituée à prendre un petit cup de sauce. De la marée épicée. Fait comme ça. Puis un jus comme ça. Et des fois, là, moi, je me regarde avec ce jus-là. Je sais que c'est full chimique, mais de temps en temps, je trouve que c'est bon. Puis j'achète tout le temps juste en petit format de même. Des fois, quand je vais dîner. Fait que punch aux fruits de Allen's. C'est ça. Je pense que je vais passer au team pour m'informer pour le café, genre au volant. S'il n'y a pas trop de monde, là, je vais voir. Je suis partie dîner un petit peu plus tard, fait que j'ai jusqu'à genre 1h15. Mais je sais pas, là, il arrive quelle heure. Genre, je regarde sur mon téléphone. Vraiment tellement! Je voulais vous dire, finalement, j'ai été faire la petite file au team. Il n'y avait vraiment pas grand monde. Ils m'ont donné ça dans un sac de même. Ils ont manqué de sac Tim Hortons, d'après moi, ou sinon, un nouveau sac, je sais pas. Fait qu'un petit muffin aux pépites. Finalement, j'ai rien pris des fêtes, là. Il y avait un chocolat chaud à canne de bonbons, mais j'étais comme, oh, le chocolat chaud, il est déjà sucré à la base. Donc là, la canne de bonbons, tu sais, moi, je voulais comme un latte, ben, un mocha canne de bonbons, mais c'était pas sur le menu. Puis là, je voulais pas demander des choses trop compliquées. Mais finalement, j'ai demandé de quoi quand même compliqué. J'ai demandé un latte au caramel anglais, parce qu'ils ont au caramel, tu sais, normal. Mais je me rappelle quand je suis allée à Moncton,
Ben, à mon retour à Charlottetown, en fait, au mois d'avril l'année passée, il y avait ça, caramel anglais, puis j'avais trouvé ça bien bon. Mais là, ça fait comme vraiment des mois, là, fait que je sais pas si j'aime encore ça, puis je sais pas si c'est bon de la même façon. Mais regardez, je vais goûter tout de suite, comme ça, on va avoir ça de réglé. Puis ça avait pas l'air vraiment sur le menu, elle m'a fait comme une commande spéciale, là. Mais il y avait, mettons, le café chaud au caramel anglais. Puis ce que je me souviens, c'est que je trouvais qu'il ressemblait au caramel de chez Starbucks. Puis effectivement, il sent un peu comme le caramel Starbucks, mais t'sais, j'en bois plus au quotidien. Fait que je peux pas être certaine de ce que j'avance. Mais bon, fait que ça sent super bon. Ça doit goûter. Oh, ça fait un drôle de bruit. On pourrait pas ça tous les jours, là. Mais c'est quand même bon. Ça peut satisfaire ta petite envie de Starbucks. Mettons là, que tu habites dans une région vraiment loin, qu'il n'y en a pas de Starbucks. Mais tu sais, c'est jamais pareil, mais bon. C'est une amélioration avec ce qu'ils avaient avant. Quoique pendant un bout, ils avaient le macchiato au caramel. Puis ça, c'était bon, là. Je pense qu'il y avait aussi de la vanille dedans. Mais sûrement qu'ils pourraient le faire en commande spéciale, dans le fond. Ils pourraient demander un latte avec vanille et caramel. Moi, je pense que c'était ça qui était dedans, là. C'était dans le menu. Pendant un bout, là, je pense que je l'avais vlogué, mais comme v'là 2 ans. Je prenais ça quand même souvent quand j'allais au team. Pas plus que 2 ans, v'là comme 3 ans. Je vais siroter ça cet après-midi. J'avais le goût d'avoir un café froid, je sais pas pourquoi, là. C'est ça, mais je sais pas c'est quoi le grain de café qu'ils utilisent pour les lattés au team. Mais il est quand même amer. Fait que c'est pour ça que je le prends avec une saveur. Mais ma préférée, c'était celle du temps de l'automne, là. Épices d'automne. Je pense qu'il y en a encore. Je sais pas s'ils l'ont enlevé, mais Baileys, je vous conseillerais pas. Puis, c'est ça. Je vous dirais de prendre avec une petite saveur parce qu'il est quand même vraiment amer, leur café. Une fois, le latte à vanille, ça, j'avais bien aimé ça aussi. C'était quasiment comme un latte vanille française. Tu sais, comme ils vendent les trucs vanille française, qui est comme pas vraiment un café. Tu sais, ce que les jeunes boivent quand ils aiment pas le café, mettons. Ça ressemblait à ça, mais avec un petit goût de café en plus. En tout cas, peut-être que ça intéresse personne, mes reviews du Tim Hortons, parce que vous êtes sûrement situés dans des endroits où vous avez bien d'autres options que ça. Puis, tu sais, vous voyez ici que moi, j'aime vraiment mieux aller dans les petits cafés indépendants. Là, ce matin, je suis allée à Lilo, chez Renard, la Brûlerie, tu sais, il y a toujours ces places-là. Mais des fois, pour faire différent au Tim, tu sais, c'est comme... Ça se passe bien pareil, puis j'aime ça goûter quand il y a des nouveautés sur leur menu, là. Mais ça, c'est pas toujours... ce qu'on s'attend, là. Ça dépend d'une fois à l'autre, mais ça, c'est pas la faute de personne, à part vraiment au bureau-chef de Tim Hortons à Toronto, là. Et genre 5h15, là, je suis arrêtée au Jean Coutu, qui ferme à 6h, d'ailleurs, le vendredi. Le reste de la semaine, c'est à 9h. Genre, en tout cas. Peu importe. Sauf la fin de semaine, c'est 5h. Mais, ouais, dans le fond, je vais aller renouveler... demander ma pilule pour l'avoir en fin de semaine, parce que ça prend une couple de jours avant d'être fait. Puis aussi, c'est un peu niaiseux, mais gars, tout le monde autour de moi est en train de tomber malade et je veux pas tomber malade. Puis là, Alexandra Larouche demandait des conseils, puis le monde, ils ont beaucoup dit de l'équinacée, là. Fait que je sais pas à quel point que je crois à ça. En fait, je crois pas beaucoup. Mais je suis prête à tout essayer, sérieux, parce que je veux vraiment pas être malade. Je viens de me sortir d'un rhume, là, comme une semaine ou deux. Pis là, c'est ça, là, c'est vraiment la saison, là, genre, tout le monde avec des masques partout, je suis genre, SOS! Fait que je vais venir voir, là, si c'est... à quoi ça ressemble, c'est-tu dans des pilules, c'est-tu du thé, comment dire que je sais pas. Je sais que c'est une flore, mais j'en sais pas plus. Fait que je vais aller regarder ça, là, s'il y a de quoi en vente libre, genre, qui pourrait, au pire, me donner l'impression que je suis en meilleure santé immunitaire pour pas tomber malade. Ça serait déjà ça de bon. Mais si c'est trop cher, je vais laisser faire, là, genre, comme je vous dis, je crois pas vraiment à ça assez pour aller payer, genre, 40$ pour quelque chose, là. Comprenez-vous? Cette fois-ci, j'en ai mes clés. Il y a ça, là, mais tu sais, je me dis, j'ai vraiment besoin d'en avoir 40. Je vais regarder s'il n'y a pas des plus petits pots. Je suis comme tellement pas convaincue. Je lisais sur les affaires d'équinacée, puis ça ressemble, genre, à de l'homéopathie. Puis c'est, genre, soulagement du rhume, mais là, j'ai pas le rhume. Fait que peut-être si je l'attrape. Mais là, pour l'instant, je pense pas que c'est nécessaire. En tout cas. J'avais le goût d'acheter ça, mais c'est comme 9,99. Puis les autres, comme ça, sont juste 5,99. Fait que moi, je me demande. Je vais essayer un peu cher. Oh, c'est comme si ça avait créé ça juste pour moi. J'ai déjà un selfie stick, là. Pas un selfie stick, voyons. Un trépied, puis une lumière, mais j'ai pas les deux ça. Mais dans l'auto, ça tient-tu? J'aimerais ça pouvoir déjà, des fois, filmer quand je
conduit, mais ma soeur, mon père m'a dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Je sais pas. Ah ben, aromatisé chocolat. Il y en a tellement avec des saveurs, j'en viens pas. Je savais pas que ça existait. Ah! Ces petits lutins.